Bolobo, Bolobo, Bolobo. On va parcourir un peu les pages Facebook béninoises selon Supra. Et on va parler bien sûr de Zamalek et Samson Akiyola. Samson Akiyola très décisif avec Zamalek Sporting Club. Mais vous savez, dans nos news passées antérieures, on a taclé le joueur ici comme quoi l'indésirable de l'autre côté de Zamalek. Il vient de sauver Zamalek. Samson Akiyola ressuscite bien sûr Zamalek. Vous voyez, demi-finale Coupe d'Égypte 2023. En 13 minutes, Samson Akiyola, bien sûr, mais se met bien sûr en mode superbe pour Zamalek selon bien sûr la page Supramaga. Et l'international béninois Samson Akiyola a marqué son empreinte sur la demi-finale de la Coupe d'Égypte qui a opposé Zamalek et Pyramide dans un match amplement bien sûr discuté, riche en buts et en émotions. L'international béninois Samson Akiyola a brillé malgré son entrée à la 87e minute, s'il vous plaît, en seulement 13 minutes de temps. Il a réussi à trouver le chemin des filets en remettant bien sûr les deux équipes à égalité de buts partout. Son but décisif a été un véritable tournant permettant bien sûr aux Zamalek bien sûr de se qualifier pour la finale de la Coupe d'Égypte. Finalement, le match s'est joué au tir au but après un score de 3 buts partout. Et le Zamalek l'a emporté 4-3 contre Pyramide, longtemps mis à côté. Espérons que cette performance très décisive de cette explication puisse servir de tremplin pour l'ancien buteur, bien sûr, de Caracas FC. En tout cas, c'est très bien. C'est une très bonne nouvelle pour Samson Akiyola. Et il a marqué. Il a été lynché par-ci par-là. Bon, il n'a pas le niveau. Les gens ont tout dit. Et voilà, il marque Samson Akiyola, permettant bien sûr à Zamalek de se qualifier. Et voilà les images. Et bon, son club, tout le monde est content pour lui, Samson Akiyola. Et peut-être que, bon, si on voit les images, bien sûr, la vidéo du but, on va partager ça avec vous, chap, parce que c'est notre guépa. Et bon, il y a une autre information qui tarote, bien sûr, notre esprit concernant toujours Gbedisi, oui. Et on ira là-bas avant de venir dans cette soirée de l'Europa League. Gbedisi, Aude Gbedisi, bien sûr, qui évolue de l'autre côté de Racing Club de Lens. Jimmy Adjovi-Boko sur les posts de Aude Gbedisi. Vous voyez, elle a posté son but et tout suite à sa récente belle performance au Racing Club de Lens. Félicitations championne, te voir briller avec ses couleurs me rend fier. Je savais que tu serais bien reçu chez moi. En tout cas, est-ce que c'est Jimmy Adjovi-Boko qui a piloté le transfert? Oui, tiens-ti. D'autant que Jimmy Adjovi-Boko, c'est un ancien footballeur, bien sûr, du Racing Club de Lens. Il a fait ces beaux jours là et bon, c'est pas l'image là, c'est ils ont joué un match jubilé, c'est pas quand il était jeune, mais il a joué dans ce club, au Racing Club de Lens. Jimmy Adjovi-Boko, est international béninois. Voilà Aude Gbedisi qui a rendu hommage Jimmy Adjovi-Boko qui a rendu hommage bien sûr à Aude Gbedisi. On va poursuivre avec l'Europa League bien sûr. Notons que Olivier Verdon jouera. Ludo Gorez joue Fenerbahçe aujourd'hui à 21h, s'il vous plaît. Et Ludo Gorez de l'international béninois, Olivier Verdon reçoit sur ses installations Fenerbahçe pour le compte de la 4e journée de l'Europa League. 3e de groupe avec 6 points. Olivier Verdon et ses coéquipiers doivent sortir le grand jeu pour espérer passer au second tour. Matteo Arlenvier Kukariski rencontre bien sûr Fiorentina à 18h45. C'est dans quelques instants, bien sûr, Kukariski de Matteo Arlenvier accueille à domicile Fiorentina sur les représentants du club serbe, bien sûr, sont en manque de confiance. Vous voyez, et 3 matchs joués, 3 défaites, bien sûr. En tout cas, dernier du groupe. L'occasion est propice pour relancer, bien sûr, pour se relancer et espérer sortir de la compétition par la grande porte. Et on espère que, bon, en tout cas, ils sauront quoi faire, Olivier Verdon et notre Matteo Arlenvi qui n'est pas souvent appelé, il faut le noter. En tout cas, voilà les quelques informations que j'ai sous la dent. En tout cas, ça va sortir comme ça va sortir les infos. Chap, ça va sortir à chaque minute. Bon, on ne saura terminer bien sûr sans partager cette grosse opportunité avec vous. Si vous voulez faire des contenus sur YouTube, contactez-nous via le plus 229 53 63 87 30. On va vous aider à créer votre chaîne YouTube. Maintenant, si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez bien sûr prendre notre formation YouTube destinée bien sûr à faire des contenus YouTube. Vous voyez, nous, c'est notre chaîne ici. On est en train de vous montrer les choses. Vous voyez, c'est notre chaîne sur laquelle on travaille et vous allez faire ce type de contenu jusqu'à être payé par YouTube à la banque. On va vous montrer comment on fait bien sûr nos miniatures. Vous avez vu
voilà nos miniatures concernant le sujet précédent concernant les guépas scolaires, nouveaux formats et tout et tout. On fait tout, c'est ici on chicote tout. En tout cas, prenez votre formation ou contactez-nous pour la création de votre chaîne, paramétrage de vos chaînes YouTube. Vous avez fait ce type de contenu sur YouTube et à gagner de l'argent. C'était moi, l'URES. Ça va peut-être prendre du temps, mais ils finiront pas comprendre. Ah, ciao!